This year, Geneva will experience European knockout football for the first time since 2002, when Servette hosts Ludogorets in the UEECL playoff first leg. It's a challenge that comes with added incentive for Servette's homegrown captain, goalkeeper Jeremy Frick, and vice-captain, defender Steve Rouillet, who have brought the feel-good factor back to Switzerland's second city. Salut Jay. Ciao Steve. Tu m'as manqué. Toi aussi. Viens, bon, faire un tour. Vas-y, on y va, let's go. Finalement, cette partie de la ville n'a pas tant changé que ça, donc vraiment un bel endroit. J'adore venir ici, prendre un été, faire du roller aussi. Et vraiment, ouais, toi, je pense que tu viens avec des enfants, des fois, t'es déjà venu ici. J'ai souvent beaucoup de souvenirs où je venais avec ma grand-mère. Et aussi, les peu de fois où je venais, c'était pour voir les matchs de Servette, en fait, au Charmy. L'histoire du Servette FC est vraiment belle et puis ça fait vraiment beaucoup d'années maintenant que les gens attendent un vrai titre et je pense qu'on n'est pas si loin et ça serait vraiment beau de marquer encore l'histoire. Ouais, vraiment rentrer dans l'histoire du club quoi, devenir une légende. Ouais, c'est vrai que ces premières années elles étaient incroyables, hein. Ouais. Ensemble là, enfin, quand t'es arrivé, c'était la meilleure année qu'on ait vécue, on parlait avant. Quand je suis arrivé, c'est sûr, il y a beaucoup de monde qui parlait des Charmy, de cette période de l'ancien stade. Et ils avaient envie de retrouver un peu cette âme dans le stade de Genève. Et petit à petit, ben, comme on disait avant, par rapport à nos résultats, à la Coupe d'Europe, on sent qu'il y a l'engouement qui prend de plus en plus. Et on sent que voilà, les gens ils ont du plaisir à venir nous voir jouer. On jouait dans un stade, il y avait quoi, 1500 personnes? 1500, 2000, ouais, ouais, c'était vraiment vide. Et puis là, bah, comme tu disais avant aussi, tu vis des matchs de Coupe d'Europe devant presque 28, 30. C'est tout à fait différent et puis c'est pour ça que les gens, ils ont envie de revenir aussi, je pense. On est bien implanté maintenant, mais c'est le moment de faire le petit pas en plus. Mais en dehors de ça, je pense que les ultras et les supporters de manière générale, ils attendent de nous qu'on se donne à fond à chaque match, qu'on procure des émotions en fait. Pas qu'on soit juste une équipe lambda qui joue pour jouer dans le championnat suisse. Je pense qu'ils attendent de nous qu'on procure des émotions, ce qu'on est en train de faire cette saison en Coupe d'Europe. On a vu un public qui respirait Servette à chaque moment pendant cette campagne européenne. Bon Jay, on a un petit peu marché, parlé aussi. Je pense qu'on va se poser un petit moment samedi ou bien. Ouais, vas-y, je connais un endroit sympa. On va y boire un verre. Ouais, bon moi je suis capitaine, toi t'es vice-capitaine. Comment on vit ça, tu trouves? Moi je trouve qu'on le vit plutôt, on se le partage plutôt bien. Moi je pense que c'est assez naturel. Voilà, on ne se prend pas trop la tête, on essaie toujours de donner le maximum pour les autres et d'être un exemple en dehors et sur le terrain. Servette, c'est le club de mon cœur, c'est ma ville, c'est là où je suis né. Même si toi tu deviens gentiment à Genevois. Mais ce serait de mentir que de dire que ça ne ferait rien, c'est beaucoup de fierté pour moi et puis pour mon entourage. Moi c'est toujours important de t'entendre derrière parce que voilà, t'es quelqu'un qui place bien les joueurs et puis voilà, on est rassuré quand t'es là, qu'on a besoin de sentir ta présence et pour les centraux et puis les défenseurs, si on a voilà, toi derrière qui nous rassure. C'est parti, c'est coéquipiers copains en fait, on va dire. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est plus des coéquipiers copains avec qui on va rigoler et puis avec qui moi je partirai en vacances avec toi sans problème. D'ailleurs, tu veux partir avec moi en vacances? Ça dépend où, mais on va organiser ça. On va organiser ça. Ouais, c'est ça. Allez, vamos. Servette UECL playoff opponents Ludogorets.